7 livres les plus interdits de l'histoire de l'humanité. Numéro 7. Manuscrit de Voynich. Est un livre manuscrit et illustré anonyme, rédigé dans une écriture à ce jour non déchiffrée. Malgré les nombreuses tentatives des cryptographes, la nature exacte de ce document, son but et son auteur restent une énigme. S'agit-il d'un herbier, d'un traité d'alchimie? Cette ambiguïté a contribué à en faire l'un des documents les plus célèbres de l'histoire de la cryptographie. Le livre tire son nom de Wilfried M. Voynich, qu'il a découvert en 1912 dans une communauté de jésuites à Frascati, près de Rome. Numéro 6. Male Maleficarum. Ce texte est utilisé dans le cadre de la chasse aux sorcières qui débute au XIXe siècle en Europe. L'ouvrage eut un large succès dans la lutte contre la sorcellerie chez les catholiques comme chez les protestants à l'époque moderne. La première partie du livre traite de la nature de la sorcellerie. Qu'il serait par nature prédisposé à céder aux tentations de Satan. La seconde partie explique comment procéder à la capture, instruire le procès, organiser la détention et l'élimination des sorcières. Numéro 5. Protocole des sages de Sion. Les protocoles des sages de Sion sont encore mentionnés par des groupes antisémites, voire certains régimes, comme preuve de l'existence d'un complot juif international, décrit un programme élaboré par un conseil de sages juifs afin d'anéantir la chrétienté, et dominer le monde. L'ouvrage réunit les comptes rendus d'une vingtaine de prétendues réunions secrètes, exposant un plan de domination du monde qui utiliserait violence, ruse, guerre, révolution et s'appuierait sur la modernisation industrielle et le capitalisme. Numéro 4. Excalibur Livro Maudit. Ce livre mystérieux est associé à l'américain Lafayette Ronald Dubar, inventeur de la Dianétique et de la Scientologie. Accusé d'avoir des liens avec le diable et des forces d'un autre monde, ainsi que des contacts avec des visiteurs venus d'ailleurs. C'est incroyable, mais ce livre a agi sur l'esprit des adeptes comme la Dianétique auparavant. Et tous les amis de l'auteur qui ont lu ce texte sont devenus fous, ont-elles perdu la raison seulement à cause de la lecture de cet ouvrage et aucun médecin n'a pu les aider. Numéro 3. Livre de Thoth. L'un des livres les plus mystérieux à avoir jamais été mentionné dans l'histoire de l'humanité, un livre sacré et mystérieux des anciens égyptiens, écrit par un ancien dieu. Le livre de Thoth était une collection de textes égyptiens anciens qui ont été écrits par Thoth, l'ancien dieu égyptien de l'écriture et de la connaissance. On dit que le livre de Thoth contient un certain nombre de sorts, dont l'un permet au lecteur de comprendre le langage des animaux et l'autre qui permet au lecteur de percevoir les dieux eux-mêmes. Numéro 2. Livre de Dian. Le livre de Dian n'est donc rien d'autre qu'une hypostase occultiste du titre zoharique. Il semble être très fortement magnétisé, car dès qu'un homme prend une page dans sa main, il voit passer devant ses yeux une vision des événements qu'il est destiné à décrire, tout en semblant entendre une sorte de leur description rythmique dans sa propre langue, dans la mesure où cette langue traduira les idées en cause. Ces pages ne contiennent aucun mot, rien que des symboles. Numéro 1. Necronomicon. L'ouvrage contient entre autres un récit des anciens, de leur histoire et des moyens de les convoquer. Selon History of the Necronomicon, le simple fait d'étudier le texte est intrinsèquement dangereux, car ceux qui tentent de maîtriser ces connaissances obscures se heurtent généralement à des fins terribles. L'aura du Necronomicon est telle qu'il est régulièrement utilisé dans la culture populaire, symbole du livre maléfique par excellence.